stop. What? Ah, magnifique. Wow. Bye. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission Push Me Up. Alors aujourd'hui nous avons un thème intéressant, c'est surprise, je suis enceinte. Et oui, et le fait de pouvoir être enceinte parfois vient comme une surprise dans notre vie. Et aujourd'hui nous allons parler de ce thème. Alors et aujourd'hui nous avons une invitée spéciale, nous avons une merveilleuse invitée, elle s'appelle Merveille. Bonjour Merveille. Bonjour. Merci. Bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. En tout cas, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui dans l'émission Push Me Up. Elle est maman d'un fils qui s'appelle Joshua, un merveilleux fils. Voilà, rayonnant, beau gosse en plus. Donc, et plein de vie en tout cas. Et à côté de Merveille, nous avons Chantal, qui est aussi maman hein, de deux enfants. Et juste à côté, à ma gauche, j'ai Ingrid. Et il y a aussi Angela. De futures mamans, n'est-ce pas? Et moi qui suis maman de quatre enfants, bien sûr, j'ai deux pères, hein, une paire de garçons et une paire de filles. Oui, des pères. Oui, une paire de garçons et une paire de filles. Mm-hmm. Voilà. C'est ça. Donc, deux filles, deux garçons. Voilà. Ok, très bien. Donc, nous allons parler justement de ça, de la grossesse qui, effectivement, c'est un moment merveilleux, n'est-ce pas, mesdames? Exactement. C'est un moment merveilleux, on donne la vie et tout. La Bible nous dit bien que l'enfant, c'est une grâce de l'Éternel, c'est vraiment un don cadeau de l'Éternel. Et c'est vrai que l'enfant peut venir par surprise, parfois dans des contextes où on se dit non, c'est pas bien qu'il vienne à ce moment-là parce que je n'ai pas encore de travail, je suis au chômage ou je suis encore trop jeune, parce que parfois il y a des femmes qui tombent enceintes dans la période de l'adolescence et qui n'ont pas fini leurs études aussi. Donc, et c'est vrai que selon le contexte dans lequel l'enfant arrive et que la surprise en fait de l'enfant arrive, ça peut générer chez la femme des émotions, soit la joie, soit la peur, soit le stress, soit la fierté, ou alors ça peut générer aussi l'angoisse, d'accord? Donc, et aussi ça peut générer plusieurs questions justement, peuvent fuser dans notre âme. Et donc quelles sont ces questions justement, Ingrid? Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ces questions? Déjà quand la grossesse, c'est vraiment une surprise, et que ça veut dire que c'est pas quelque chose qui était attendu, oui, qui était prévu, qui était préparé. Et donc quand ça arrive comme ça, ça nous surprend. On peut déjà se poser la question en fonction de l'âge, du contexte dans lequel on vit, de la famille, etc. Est-ce qu'on le garde ou pas? Oui. C'est une question. Oh. Oui. Okay. En fait, moi, elle a une question. Moi, je trouve que c'est quand même bizarre de dire surprise, parce qu'en fait, lorsque tu as des rapports sexuels non protégés, tu t'attends à quoi? Enfin, tu vois, il y a ça aussi, il faut parler de ça. Après, c'est peut-être pas dans, c'est pas dans le, je pense que c'est pas forcément dans le but justement d'avoir un enfant. C'est que tu peux te dire qu'il peut avoir un risque, si je peux dire ça comme ça, mais il peut avoir un risque de tomber enceinte. Ouais. Mais c'est pas forcément le but recherché quand. Quand en fait, il peut y avoir différentes causes. Ça peut être si on a choisi de ne pas avoir des contraception, de ne pas avoir des moyens de contraception et de faire de compter les jours hein, par rapport à la date d'ovulation, tout ça, ben là, on peut se faire avoir. Parce que si on compte mal et qu'on a des règles qui ne sont pas régulières, mm-hmm, et ben on risque de tomber enceinte par surprise. Et ça, ça arrive. Comme ça a été à certaines femmes. Après, il y a des femmes aussi qui peuvent utiliser comme moyen de contraception le préservatif. Et mm-hmm, le préservatif, s'il craque, bon, et ben ça fait cratrac. Ou même parfois, les pilules aussi peuvent ne pas fonctionner. Il y a même les moyens de contraception aussi. Donc, il y a plusieurs cas dans lesquels il y a des femmes qui sont très fertiles aussi. Et même quand elles prennent la pilule, ça ne fonctionne pas. C'est ça. Il y a aussi le déni de grossesse, en fait, c'est-à-dire oui, elle, c'est peut-être à la veille de l'accouchement qu'elle découvre qu'elle est enceinte. Wow, à son surprise. Ça, oui, ça existe. La veille. Donc il y a plusieurs. Mais ton ventre. Non. Et c'est le jour où tu sais que le ventre sort d'un coup. Sort. Oui. C'est oui, le mystère de. Ouais, c'est psychologique. Oui, ça existe. Ouais. Ça veut dire que tu es 9 mois enceinte, oui, mais tu sais pas. Oui, et que tu vis ta vie comme si aucun symptôme, rien du tout. Vraiment le ventre plat. Parce que l'enfant est vraiment entré et oui, vraiment à l'intérieur, mmh, et tout. Et oui, il y a des choses comme ça qui existent. Hein. C'est psychologique, en fait, mmh, tout ouais, simplement. Ouais. Mmh.
Et donc, les questions, justement, par rapport au contexte, etc., comme je le disais, est-ce que je garde l'enfant ou pas? Oui. Est-ce que je suis prête à assumer de garder un enfant? Et comment l'annoncer, par exemple, si on est ado, on est une jeune, on a un certain âge, on vit avec les parents. Oui. Comment l'annoncer à ses parents, en fait? Comment l'annoncer à ses autorités? Comment ils vont le prendre? Donc, c'est plusieurs questions qu'on peut se poser. Quand on est à l'église. Quand on est à l'église aussi, le regard des gens, si on n'est pas marié, comment ça va être pris? Comment on va le supporter? Comment on va le vivre, en fait? Et si, par exemple, on ne travaille pas. Et qu'on fait des études. Et qu'on est étudiant, par exemple. Est-ce qu'on est en mesure d'assurer les besoins de l'enfant? Les besoins de l'enfant, en fait. Donc, il y a plusieurs questions qui peuvent justement surgir, justement, par rapport à la surprise qui nous arrive. Et justement, on va se poser toutes ces questions-là. Pour savoir comment justement avancer. Oui. Alors, donc, Merveille, justement, comment ça s'est passé pour toi? Est-ce que tu peux nous dire? Mais déjà, comment tu l'as su? Moi, je l'ai su directement. Je l'ai su directement parce que c'est vrai que je me suis protégée, mais je savais que j'étais enceinte. Mon instinct m'avait dit que, en fait, t'es enceinte. Mais je ne peux pas sans expliquer. Non, mais c'était le jour même, en fait. Sérieux? Non, je vous assure que je savais que j'étais enceinte. Je savais que j'étais enceinte. Wow. Et j'ai même pris la pilule du lendemain. Ça n'a pas marché. Ça appuie sur toi. Les expressions d'Angèle. Oui, en fait, je savais que j'étais enceinte. Et à l'époque, j'avais 22 ans. Oui, c'est ça, 22 ans. Donc, deux semaines après, j'ai fait un test de grossesse. Et j'étais enceinte. Wow. J'étais enceinte, mais... quel était ton état d'esprit, justement, à ce moment-là? État d'esprit, en fait, dans ma tête, tu assumes. C'était ça qui résonnait dans ma tête, en fait. J'étais surprise, j'étais choquée. Je me disais, OK, je suis maman. Tu avais quel âge, justement? 22 ans. Mais en fait, j'avais pas d'autres possibilités. Je savais que je devais assumer. C'était pas comme si je dois garder l'enfant ou je dois avorter. Tu assumes. Oui. Tu étais étudiante, tu travaillais? Je travaillais. J'avais un CDI. Je vivais seule d'ailleurs. Donc je vivais pas en couple, mais je vivais seule. Donc voilà, c'est ça. Waouh. Eh ben dis donc. C'est bien. C'est vrai, parce que justement, autre question aussi, ça peut être l'environnement dans lequel je suis. Est-ce que je pourrais l'accueillir, par exemple? Si on est dans un appart, en fonction de là où on vit, etc., est-ce qu'on pourra l'accueillir? Si on est étudiante, par exemple, on peut se poser la question, est-ce que je pourrais continuer mes études? Ou si on travaille, comment ça va se passer, tout? Il y a vraiment beaucoup de questions que les personnes se posent. Et il y en a qui vont, en fonction de tous les critères qu'elles auront évalués, elles vont faire un choix. Soit le garder ou pas. Et donc, c'est vrai que c'est pas évident, en tout cas, quand on reçoit cette nouvelle, cette surprise, en tout cas, c'est vrai que ça peut générer des émotions positives ou négatives. Mais après, je trouve que c'est bien de sa part, en tout cas, de se dire, je vais assumer. C'est vraiment louable, en tout cas. C'était mon état d'esprit, en fait. J'en ai parlé à la pote directement. Je crois, quelques jours après, il m'a posé la question, qu'est-ce que tu fais? Je lui ai répondu, j'assume. J'assume parce que j'aurais pu éviter ça, tout simplement. Mais je ne l'ai pas fait. Donc là, en fait, c'était réellement ma responsabilité que je devais assumer jusqu'au bout. Mais il n'y avait pas d'autre option, en fait. Et c'est vrai que j'étais dans une condition un peu, un peu délicate parce que je n'étais plus réellement avec le père de mon fils. Mais je me suis dit, non, en fait, tu vas jusqu'au bout. Peu importe qu'il soit là, qu'il ne soit pas là, tu vas jusqu'au bout. Et est-ce que, justement, la possibilité de pouvoir avorter, est-ce que c'est venu, justement, dans ta pensée? Non, ce n'est pas venu dans ma pensée parce que c'est vrai que j'aurais pu. J'aurais pu, pourquoi? Pour plein de raisons. Parce que déjà, je vivais dans un 20 mètres carrés. En plus de ça, je savais que je n'allais plus réellement être avec le père de mon fils parce que ça n'allait pas entre nous deux. Mais aussi, pas forcément financièrement, mais aussi surtout que j'aurais pu me dire, j'ai 22 ans, j'ai encore toute ma vie devant moi. J'ai commencé ma carrière récemment. Il y avait plein de questions, et surtout que je ne m'occupais pas d'enfants, donc je ne savais même pas m'occuper d'un enfant. Je ne savais pas, en fait.
Oui. Je ne me suis jamais occupée d'un enfant, je n'ai jamais gardé des enfants. Et est-ce qu'il y avait des peurs en toi par rapport à ça, le fait de ne pas t'être occupée d'enfants ? Les 9 premiers mois, non. Parce que, quelque part, je pense que je faisais aussi un peu un déni. Parce que j'étais enceinte, mais sans réellement l'être. J'avais les symptômes et tout ça, mais mon ventre, au début, il ne poussait pas forcément. Mm-hmm. C'est que à partir du moment quand je l'ai dit aux gens, donc à partir de 5 mois, on voyait la grossesse. Mais oui. Avant ça, on ne voyait rien. C'est vraiment 5 mois et demi où on a commencé à voir la grossesse, ce qui est un peu tard quand même. Mais oui, donc comme je disais, je faisais un peu de déni, un petit déni, parce que quand il est arrivé, c'est là en fait, quand je l'ai accouché, quand je l'ai vu, oui. C'est là que je me suis dit, ah, je suis maman, et je l'ai rejeté un peu, parce que je l'ai redonné à son père, parce que je me suis dit, ah non, là je suis maman. Je suis content que le cerveau comprenne bien. Exactement. Peut-être. Mais après, je me suis dit, quelques minutes plus tard, j'étais contente de l'accueillir en fait. Mais il a fallu quand même un peu de temps, oui. Réellement, de réaliser, ok, tu es maman. Parce que je pense que même parfois quand on est enceinte, on n'arrive pas réellement à réaliser qu'on l'est vraiment. Et oui. Même quand on l'a entre les bras, en fait, quand on le prend, on le réalise au fur et à mesure, en fait, parfois même. Oui. Ouais. D'accord, très bien. Et toi, Chantal, je crois que tu as connu aussi une surprise, n'est-ce pas? Oui, alors, déjà, je l'ai appris, on était en semaine de jeûne et de prière. Ça veut dire que tous les matins on se levait à 5h pour prier. Oui. Sauf qu'à ce moment-là, je comprends pas trop parce que déjà, j'étais pas très réglée au niveau de mes menstruations. Ça veut dire que ça pouvait venir un mois ça vient pas, l'autre mois ça vient, je peux faire 2 mois sans les avoir. Du coup, ça m'inquiétait pas plus que ça. Ça faisait un bon moment que je les avais pas, mais ça m'inquiétait pas. Sauf que j'ai quand même vu ma poitrine vraiment gonfler. Oui. C'est bizarre. Il y a un truc qui est très, très bizarre là, dans cette histoire-là. Et du coup, j'ai acheté un test de grossesse. Non, j'en ai acheté 2 parce qu'il fallait que je sois bien sûre. T'avais besoin d'être rassurée. Voilà. Donc du coup, le matin, hein, quand je me réveille, je vais aux toilettes. Donc je fais pipi, etc. Et après, je vois... Du coup, qu'il y a 2 barres. À ce moment-là, j'ai un peu le vertige. Oui, parce que... Donc, tu t'assois quelque part de calme, tu respires, en fait, tu prends une profonde respiration. D'abord, je reste aux toilettes et j'entends mon mari qui commence à prier parce que c'était lui qui dirigeait le temps de prière. Donc, j'entends, il est en train de prier. Et moi, je suis là, je suis comme un peu sonnée, en fait. Parce que même si j'étais déjà mariée, on venait juste de se marier en décembre et 4 mois après. Je tombe enceinte. Et du coup, là, j'ouvre la porte, je le regarde. Et il me regarde et il voit qu'il y a un truc qui n'est pas normal. Il voit que j'ai une expression bizarre sur le visage. Et donc, je tiens le test de grossesse. Je dis, je suis enceinte. Tourne à la prière. il avait fini la prière. Non, je n'arrivais pas à contenir à ce moment-là. Ouais. Moi, je n'arrive pas à contenir ce qui se passe. Donc, je dis, je suis enceinte. Il dit quoi? Et du coup, tout le monde prie. Donc, il me surmute. Parce qu'il a le temps de vous gérer. Hein. Il me surmute et tout le monde le groupe continue à prier. Il me regarde. Et je lui donne le test. Il dit, mais c'est quoi? Je comprends pas. Parce que maintenant, c'était clair. Parce que pour nous, c'est clair. 2 barres. Il dit, oui, mais je vois 2 barres. Je lui dis, mais oui, justement. Je suis enceinte. Il dit, bon, attends, on va prier d'abord. lui, après, il priait, mais moi, j'ai pas réussi à me concentrer. Tu étais sous le choc. Mais parce qu'en plus, quand j'ai refait un autre test de grossesse, j'étais déjà plus de 3 semaines. D'accord. Du coup, tu réalises que t'as un enfant, t'es déjà enceinte depuis de presque un mois de grossesse, et l'enfant est déjà là, et tu vivais ta vie normalement. Oui. Et moi, je réalise ça. Et je sais pas, après, les hommes, ils le prennent différemment. Mais j'arrivais pas à me concentrer. Honnêtement, j'arrivais pas à me concentrer dans la prière. Et c'est comme ça que je l'ai appris. Surtout qu'en fait, comme on parlait de moyens de contraception, j'avais un rendez-vous pour mettre un moyen de contraception. Oui. Sauf qu'en fait, mon rendez-vous était annulé. D'accord. Et c'était entre le rendez-vous annulé et le deuxième rendez-vous que je suis tombée enceinte. D'accord. Donc, vous imaginez? Bah oui.
Et donc, du coup, c'est vrai que toi, tu t'étais projetée dans une vie maritale où tu allais profiter. Voilà, j'allais profiter d'abord. On avait plein de projets. Et du coup, quand l'enfant arrive, ben, on se dit non, tous mes projets sont annulés. Voilà, mais c'est ça, c'est que tout s'effondre en fait et tu paniques. Et il ne faut pas croire, hein. Souvent, on peut se dire, bon, bah, peut-être je ne suis pas mariée, on peut paniquer, etc. Mais même en tant que femme mariée, tu peux autant paniquer en fait parce que tu as des projets, vous avez des projets de vie. Oui, et vous vous dites, bah, ça fait que 4 mois, on n'a pas encore bien profité, aller en vacances, faire ceci, sans enfants, bah, tu te dis oui, mais là en fait non, ça a commencé. Et surtout que toi tu étais jeune. Oui, bah j'étais jeune parce que 20 ans. Quand je suis, oui, c'est ça en fait, j'avais 20 ans et je passais j'avais 21 ans c'était jeune. Mais en tout cas, j'ai paniqué. Oui. J'ai paniqué. Après, contrairement à Merveille, sincèrement, moi j'ai eu des pensées d'avortement. Même en étant chrétienne, bon voilà, j'étais convertie il y a un an, mais ça ne veut rien dire. J'étais paniquée. Enfin, quand tu es paniquée, il y a toutes sortes de pensées, toutes sortes d'émotions et de pensées qui viennent. Tu te dis, oui, mais je garde. Parce qu'en plus, on est dans un pays où c'est autorisé. Ce n'est pas comme si on est dans un pays où. Mais tu sais que voilà, tu peux avorter. Et là, tu as un tas de grossesses qui n'est pas avancé. Du coup, tu te poses la question, tu te dis, ouais, mais comment ça se passe là? C'est fichu, tout ce que j'avais prévu, c'est bon, ça vole en éclats. Mais après, par la grâce de Dieu, je pense qu'on va voir par la suite. Il y a le Seigneur qui est là et on arrive à bien rassurer. Oui, et puis tu dis non, Dieu est là, Dieu m'accompagne, je ne suis pas seule. Il y a des gens qui peuvent, il y a des gens qui. Moi, je suis dans une situation en plus où je suis mariée, il y a quelqu'un qui est là en plus. Oui. Contrairement à Merveille, il y a quelqu'un qui est là. Oui. Donc je me dis non. Il y en a qui galèrent quoi aussi pour avoir des enfants et en plus elles n'ont même pas la situation qu'elles veulent. Mais je me dis non en fait. C'est une grâce de Dieu et du coup après voilà. C'est une grâce de Dieu, oui. Je me suis dit Dieu est là, on fonce, on y va. D'accord, très bien. Bah oui, aujourd'hui tu es heureuse. Oh là là, je peux pas m'imaginer même sans cet enfant là. Donc, amen, voilà. Amen, amen, voilà. En tout cas. Et donc justement, qu'est-ce qu'on peut faire? Et vous on se posait la question comme si tu allais dire et vous mesdames. Non, je sais très bien. Mais moi j'avais une question pour Merveille après du coup. Après ou alors oui, tu peux. D'accord, oui. Du coup, quelle a été la réaction de tes parents, de ton père, de ta mère? Comment tu as annoncé ça à ta famille? Parce que tu as parlé du coup d'avoir annoncé à l'apôtre, à tes responsables spirituels, mais tes parents en fait, comment tu as appelé ta mère Je vais commencer par le pasteur Darius. Après, je vais parler de mes parents. En fait, je dis ça parce que c'était quand même marrant, parce que je ne savais pas comment l'annoncer. J'ai attendu la prière aussi. Après la prière, à 5h du matin, à 6h du matin. À ça bah, dis donc, pour l'annoncer que j'étais enceinte. Donc, à part pasteur Darius, il y avait aussi donc mes parents. Donc, mes parents, ils l'ont su assez tard aussi, vers 5 mois aussi. Wow. Oui, parce que en fait, c'était 5 mois. Oui, vers 5 mois. Wow. Je n'avais pas honte de ma grossesse. Uh-huh. J'avais pas du tout honte, mais j'étais convaincue que je devais pas parler de ma grossesse, tout simplement. J'étais convaincue que je devais protéger ma grossesse. Donc, j'en parlais pas. Donc, la seule personne qui le savait, bah, c'était le papa, l'apôtre, je pense qu'une sœur de l'église, et c'est tout. D'accord, très bien. Et du coup, par rapport à l'église, est-ce que tu n'avais pas peur des regards des gens? Pas du tout. Pas du tout, sais qu'il y a certaines femmes chrétiennes il y a certaines femmes chrétiennes qui, quand elles tombent enceintes et qu'elles ne sont pas mariées, donc, c'est-à-dire qu'elles elles ont cette culpabilité qu'elles, effectivement, comme ce n'est pas dans le cadre légal de Dieu, et du coup, à cause de cette culpabilité, fait en sorte qu'elles ne viennent pas à l'église parce qu'elles ont peur du regard des gens, du qu'en dira-t-on, ou que les autres vont nous juger. Et donc, elles préfèrent ne plus venir à l'église, ou alors elles préfèrent attendre d'avoir accouché pour pouvoir venir à l'église. Est-ce que c'était ton cas? Non, pas du tout. Non, pas du tout, parce que, en fait, à partir du moment dans ma tête que j'assumais cette enfance, cette grossesse, pour moi, en fait, je ne voyais pas le regard des autres. C'était comme si je voyais rien en fait. C'est vrai que les gens de ma famille qui l'ont su très tard, donc vers la fin de ma grossesse, m'ont jugé parce qu'ils se disaient que t'es pas mariée, en plus de ça t'avais arrêté les études il y a un an, tu n'avais pas fini la fac et tout ça. Mais non, j'assumais cet enfant et c'était mon enfant. C'est ça. Et je pense que c'est vrai que la prière m'a beaucoup aidée.
Parce que pendant cette période-là, je me rappelle qu'on priait énormément, à 5 heures du matin d'ailleurs. Et la prière m'a beaucoup fortifiée pour ne pas avoir des mauvaises... Je n'avais pas de mauvaises pensées. Donc, en fait, j'étais enceinte, c'est tout. J'étais sereine. Enceinte, sereine. Oui, j'étais bien, j'étais contente. C'est vrai qu'au début, je me posais beaucoup de questions. Mais non, j'étais contente d'être enceinte et contente d'être maman, en fait. Oui. Tout simplement. Parce que c'est vrai, comme tu le dis, il y a beaucoup de femmes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. Là, en fait, j'étais enceinte et puis c'est tout. Tu réalises que, voilà, qu'il y a quand même une vie qui est au-dedans de nous, c'est qui ça, se développe, exactement. Et que c'est une grâce. C'est justement, ça. Il y a des femmes, justement, quand elles sont enceintes par surprise, eh ben, elles sont devant deux choix. Soit j'avorte, soit je décide de garder l'enfant. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, Angela? Alors franchement, la parole de Dieu va nous dire, en fait, bah, il nous laisse deux choix. Soit la vie, soit la mort, il nous demande de choisir la vie. Après, c'est vrai que bah, chaque cas est différent et chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Si une femme elle décide d'avorter pour X ou X raisons, c'est son choix. Et voilà, si une autre veut garder, bah, c'est aussi son choix. Après, c'est vrai que, comme je disais, la parole de Dieu nous conseille. Nous conseille, voilà, de choisir la vie. Après, c'est vrai qu'il y a des cas où... en fait, vraiment, je ne veux pas rentrer dans les détails parce que c'est très, 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 comment dire, profond comme sujet. Mais c'est vrai qu'il y a des cas où bah, il y a des femmes qui n'ont pas le choix. Donc, en réalité, je pense que ça dépend vraiment du cas de chacun et j'en reste là. Et c'est vrai que quand on choisit la vie, on voit que Dieu nous accompagne, en fait. Amen. Dieu nous accompagne dans ce projet. C'est vrai que ça arrive comme une surprise. Mais quand on décide de garder l'enfant, on a un père avec nous qui va nous accompagner, qui va nous aider à faire grandir cet enfant dans les voies du Seigneur, qui va nous aider par rapport à le fait de pouvoir instruire notre enfant et de pouvoir être capable de pouvoir le gérer, en fait. Et du coup, par rapport à ton expérience, est-ce que tu as senti qu'effectivement, tu n'étais pas seule, qu'il y avait le Seigneur avec toi qui t'accompagne justement par rapport à Joshua? Oui, clairement, parce qu'il faut savoir que je n'ai pas mes parents ici. Mes parents, ils habitent en Allemagne et en Belgique. Oui. Donc du coup, j'étais seule. Seule, complètement seule. Et à cette époque-là, j'avais récupéré mon frère qui était mineur aussi. Donc, j'avais deux enfants à ma charge. D'accord. Et c'était pas du tout évident. Mais je m'accrochais au Seigneur. Amen. Je m'accrochais. En fait, j'avais que ça. Et c'est ce que je lui disais. Je disais, Seigneur, j'ai que toi, en fait. J'ai ni papa, j'ai ni maman, j'ai ni conjoint. Donc, j'ai que toi. Donc, il faut que tu m'aides, en fait. Amen. Et à ce moment-là, en fait, c'est là où j'ai réellement réalisé la grandeur et la puissance de Dieu, parce que non seulement il était là, il m'accompagnait dans tout. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote. Je me rappelle, à un moment donné, en fait, il était enrhumé et il avait quoi, quelques jours. Je ne savais pas comment nettoyer son nez. Je ne savais pas du tout. Ah, donc, j'ai prié. Je disais, Seigneur, je ne sais pas comment nettoyer. C'est là, il m'a dit audiblement, prends un peu de lait maternel, mets dans les narines et tu vas voir, ça va partir. Et au début, je me suis dit, non, peut-être ce sont mes pensées. Je l'ai fait directement, en fait. Son nez était débouché. Et par la suite, quelques jours plus tard, j'ai lu un article sur Internet qui disait qu'en Afrique, en fait, ils faisaient ça pour nettoyer le nez. Ils n'avaient pas de fusion. Il n'y a pas de sérum physiologique. Il n'y a pas l'eau de mer. Il n'y a pas ça, en fait. Oui. Du coup, ils faisaient ça. Et donc, du coup, le Seigneur m'accompagnait de jour en jour, en fait, dans cette expérience. Parce que, comme je le disais, je n'ai pas appris à être mère. Et on ne peut pas l'apprendre de toute manière. Et de manière théorique. De manière théorique, on ne peut pas... pratique. On apprend petit à petit. Sur le terrain. Sur le terrain. Et en même temps, il faut savoir que moi, je ne m'occupais pas d'enfants. Ce n'était pas forcément quelque chose que j'aimais faire. Donc... J'ai vraiment appris à être maman. En tout cas, moi, ça me parle, parce que moi aussi, c'est ça. Hein, puisque quand j'ai eu mon premier fils aussi, je ne m'étais jamais occupée d'un enfant. Et en fait, je trouve qu'il y a aussi cet instinct maternel qui nous guide de manière naturelle. En fait, on sait quoi faire. Moi, je sais que j'ai toujours su quoi faire, en fait, à chaque fois, parce que je trouve que cet instinct maternel, la façon dont Dieu nous a créés, il a mis des choses en nous. Quand on a un enfant, il y a des choses qui sortent de nous naturellement. Parce que je crois que c'est des choses que Dieu a mis en nous. Amen. Et qui ressortent de manière naturelle, en fait. C'est comme cet instinct de protection, c'est en nous, en fait. C'est ça. Si on sent que notre bébé est en danger, et ben tout de suite
suite, on aura cet instinct de protection. Mmh. Donc voilà, et je crois que le Seigneur nous accompagne aussi pour d'autres choses, ou il peut nous inspirer aussi pour d'autres choses. Et en fait, il faut se dire qu'il y a toujours une solution avec Dieu. À chaque défi, à chaque difficulté, voilà, il y a une solution avec Dieu, en fait. Mmh. Et qu'il faut toujours se confier en l'Éternel et qu'il va nous aider, en fait. Mmh. Même dans l'apprentissage des choses de la vie pratique, il peut nous inspirer une solution et qu'on trouvera toujours des solutions. Amen. D'accord. La Bible dit de toute façon qu'il nous conduira dans toute la vérité. C'est donc, ça, même cette vérité, le fait d'être. C'est lui qui a créé le corps de la femme. Oui, bien sûr. Il sait comment ça se passe. C'est lui qui a mis les hormones et toutes ces choses en place. Oui. Donc, il sait en fait comment une mère s'occupe en fait de son enfant. Oui. Donc, au final, c'est vraiment ça la clé, en fait. C'est de vraiment. Pour toutes les femmes, peut-être si tu es enceinte aujourd'hui et que tu nous regardes, de se dire, en fait, vraiment, Dieu est là. Oui, c'est Dieu ça. Est là et Dieu ne nous abandonne pas, en fait. Peu Amen. Importe, hein. Et Dieu, c'est un père. C'est Il ça. Nous aime, nous sommes ses enfants. Donc, que ce soit fait hors cadre, enfin, hors mariage ou dans le mariage, Dieu nous aime. Son Amen. Amour ne change pas. Non, mais ça ne change pas. Ça veut dire que, même si la personne, elle n'est pas mariée, mais ce n'est pas grave. Dieu t'aime quand même. Ça ne changerait pas son amour envers toi. Wow, j'aime ça. C'est ça, exactement. Ça ne change vraiment pas son amour envers toi. Donc, c'est de se dire, peu importe ta situation, parce que moi, dans ma situation, j'étais enceinte, on était dans un 30 mètres carrés, dans une résidence étudiante. Mais je sais pas, vous imaginez déjà la honte. Déjà, on devait partir depuis. Et en plus, là, je me retrouve enceinte comme ça. Tu te dis, mais il n'y a rien qui est stable pour accueillir cet enfant. Mmh. Mais la Bible dit que Dieu est un pourvoyeur. Amen. Et que Dieu est celui qui pourvoit. Donc, au final, tu t'accroches Amen. À Dieu. Et le Seigneur a fini par pourvoir. Pourvoir. Voilà, très bien. Il a fini par pourvoir. Et au final, tout s'est très bien passé. Amen. C'est là, en fait, qu'on voit l'importance vraiment de la foi. C'est-à-dire que en réalité, souvent, c'est ce genre d'épreuve, en fait, qui nous rapproche encore plus de Dieu et qui nous fait encore plus comprendre et réaliser qu'il est amour et qu'il ne nous abandonne pas. Franchement, il ne nous abandonne pas. Amen. Et j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit du fait que tu sois mariée ou pas, parce qu'en réalité, c'est vrai que souvent, on est dans le jugement. Je dis « on », hein, parce que tout le monde, on est souvent dans le jugement à se dire « ah, telle n'est pas mariée », mais en réalité, il y a des choses qu'on fait qui ne sont peut-être pas exposées, parce que la grossesse est exposée, qui sont dans le secret, qui ne sont posées dans la volonté totalement, de Dieu, et qui totalement. Sont même parfois pires. Donc, en réalité, celles qui sont enceintes et qui sont pas mariés et qui sont dans l'église, ne culpabilisent pas. Dieu vous aime comme vous êtes. Venez à l'église. C'est ça. Vous avez besoin d'un soutien. Exactement. Et moi, parce que l'église doit être une famille, en fait. Exactement. L'église doit être une famille, en fait. C'est ça. Et je suis grande. Dans des situations comme ça, c'est là où on doit aider, justement, et entourer, justement, cette sœur qui n'a pas de mari, par exemple, comme oui, toi, c'est entourer. Ça. Et organiser des baby showers et investir aussi. Voilà, aider vraiment du mieux qu'on peut. Pour que tout se passe bien, en fait. Exactement. Et justement, moi, j'ai une question par rapport à toi, Merveille. Mm-hmm. Justement, quand tu as accouché, je sais que quand on accouche, on est extrêmement fatigué. Les nuits, le bébé ne fait pas ses nuits directement. Mm-hmm. Comment tu as passé cette période-là? Parce que je suppose que c'est une période qui est assez difficile, même quand on est accompagné. C'est-à-dire que quand on a un mari, même là, c'est difficile. J'imagine en tant que célibataire, comment t'as pu vivre cette période? C'était pas évident parce qu'en fait, j'étais dans une période de transition parce que je cherchais un appartement. J'étais dans un appartement, mais je déménageais et tout ça. Mais j'ai déclaré non, maman. Je lui disais, écoute, on est deux célibataires. Enfin, je disais que moi et toi, on est des colocataires. Donc, tu dois dormir, moi aussi je dois dormir. Sinon, ça ne va pas. En fait, tu parlais beaucoup au bébé? Je parlais énormément au bébé. Énormément, parce c'est que trop bien. Je lui disais, je lui expliquais beaucoup de choses. Je lui disais que je dois dormir, je suis fatiguée, j'ai des choses à faire, je dois faire ci, je dois faire ça. Et au bout de quelques semaines, parce qu'il a fait ses nuits directement. Très rapidement. Très rapidement. Deux semaines, je crois. Ouais, deux semaines exactement. Ben, je crois que j'ai bien compris ce que tu disais alors. Ah oui, il était très attentif. Il était très attentif. Donc du coup, je lui disais, tu dois dormir. Et il dormait. Et je dormais. Tout simplement. Et t'avais de la famille qui est venue quand même te voir ou t'étais seule à l'hôpital? À l'hôpital, enfin, après avoir accouché. En fait, déjà, j'ai accouché en Belgique, donc près de mon père, donc ça va. D'accord. Mais je suis vite rentrée en France au bout de 4 jours, je crois. Ouais, 4 jours. Et monsieur, il était là? À l'accouchement? Oui. Oui, son papa était là. D'accord. Il était présent.
Mais après, je suis rentrée en France. Donc, comme je disais, je cherchais un autre appartement parce que mon appartement était trop petit. Et oui, et puis après, les choses se sont faites tout naturellement. Parce que je pense que, comme on le disait, il faut vraiment faire les choses par la foi. Le Seigneur, il savait, il connaissait ma situation. Je lui disais toujours, regarde ma situation comment elle est. Tu ne peux pas me laisser comme ça. C'est impossible. C'est pas un Dieu responsable. Donc, je lui disais, écoute, j'ai un enfant en bas âge qui a à peine un mois, mais j'ai également mon frère. Donc, il faut que tu fasses quelque chose. Et miraculeusement, en fait, les choses se sont enchaînées pour moi. En fait, j'ai eu un appartement au bout de 3 jours. J'ai eu... tout s'est mis en place, en fait. J'ai voulu reprendre mes études. J'ai repris mes études. Donc, tout s'est passé comme il faut, en fait. En tout cas, ce que moi je trouve admirable dans ton témoignage, c'est que dès l'instant où tu es restée sur une position, c'est-à-dire que Dieu a été là. Je pense aussi que ça peut être parfois le cas aussi avec quelqu'un qui va peut-être décider d'avorter, de ne pas garder l'enfant. Dieu ne va pas l'abandonner à cause de son acte, en fait. C'est clair. Surtout qu'on ne connaît pas les raisons pour lesquelles Exactement. La personne va le faire. Mais elle, vraiment, ça démontre la fidélité de Dieu. C'est-à-dire que malgré la... C'est vrai que c'est l'enfant de Dieu. Elle a peut-être pu faire quelque chose qui n'est pas... comment je vais dire ça? Ce n'est peut-être pas conforme à la volonté parfaite de Dieu, Exactement. Mais ce n'est pas pourtant que Dieu va la mettre de côté. Au contraire, il a été là et les choses se sont embrayées d'elles-mêmes, en fait, tout simplement parce que tu as fait confiance. Dès l'instant où tu as dit, tu assumes que les gens parlent ou ils ne parlent pas, ce n'est pas ton problème. Que telle ou telle chose arrive, ce n'est pas ton problème parce que tu assumes. Et comme tu assumes, les choses vont aller dans ce sens-là. Et vraiment, c'est admirable de voir la main et la puissance de Dieu être là au fil du temps, malgré les circonstances, malgré même les choix que nous-mêmes nous pouvons faire. Mais il est quand même là, en fait. Exactement. Là, on voit que sa fidélité ne dépend pas des circonstances. Non. Il est fidèle parce qu'il est Dieu. Exactement, il est bon. Et c'est ça. Parce que je viens vraiment de loin. Mais après, je suis très reconnaissante parce que j'avais quand même ma famille spirituelle aussi, parce que, comme je le disais, j'avais pas ma famille naturelle près de moi, mais j'avais l'église qui je T'as c'est vrai soutenue? Que j'ai été beaucoup soutenue par l'église, par les prières et tout ça. Et je pense que ça aussi, ça m'a beaucoup aidée, parce que mentalement, j'étais pas forcément affectée par la situation. J'étais pas affectée en fait, parce que je savais que si j'avais réellement un problème, je pouvais appeler Pasteur Paulette, je pouvais appeler Pasteur Grasse, je pouvais appeler Pasteur Gentil, Pasteur Darius, je pouvais appeler tout le monde. Et tout le monde était là pour m'aider, en fait. Amen. Et ça aussi, je pense que lorsqu'on... Et ça, c'est bien, parce que parfois, dans certaines églises, on juge les personnes, on les met à côté, c'est là où on voit vraiment l'amour de Christ qui est manifesté au sein de la famille spirituelle. En fait. Exactement, et je me rappelle même, quand je voulais l'annoncer à Pasteur Darius au début, à chaque fois, je n'arrivais pas à l'annoncer. Pourtant, c'était l'une des personnes que je voulais l'annoncer au début, très tôt. Ça ne s'est jamais fait, jamais fait au début. Et du coup, il m'a dit... Tu veux me voir? Va voir Pasteur Paulette. Et je regardais Pasteur Paulette, j'ai dit. Alors là. J'ai dit, mais dans ma tête, je me suis dit, mais attends, moi, je dois te dire quelque chose de très important. Tu me dis, va voir Pasteur Paulette. Donc, je suis allée la voir. Je me rappelle, on était encore à Gennevilliers, on est monté en haut, t'as prié pour moi. Je me rappelle, tu tremblais, t'avais les larmes aux yeux, on était là. Non, je me rappelle, il était guidé par le Saint-Esprit. T'as déclaré certaines choses que j'avais vues après, en fait. En plus, j'ai été prophétique. Tu as déclaré certaines choses que j'ai vues après, alors que je me rappelle, tu disais certaines choses, je me disais, mais pourquoi elle le dit? Et c'est des choses que j'ai vues après, parce qu'elle parlait beaucoup de la stabilité, et pendant toute cette période j'ai eu une stabilité, en fait. J'avais pas de manquement d'argent réellement, en fait. C'est vrai que il y avait des moments difficiles, mais il n'y avait pas de moment où j'avais rien. Donc je mangeais à ma faim. Il pourvoit toujours. Il était là, en fait. Donc les portes, elles étaient grandement ouvertes, donc j'ai pu même faire certaines choses que parfois je me dis waouh. Je l'ai fait réellement, mais donc c'est ça, en fait, c'est très important. Tu es fidèle. Du coup, comment tu as pu réorganiser ta vie, ton temps? Comment tu as pu faire? Parce que certainement, il y a des femmes qui nous regardent et peut-être, comme ça a été une surprise, elles ne savaient pas comment s'y prendre justement après et tout. Comment toi, tu as géré ça? Quand tu as accouché, comment tu as fait pour organiser ton temps, pour faire les choses, et tout, surtout en plus que tu étais femme célibataire?
En toute sincérité, ben, en fait, je me suis juste organisée. C'est vrai que moi j'avais une nounou. Dès à partir de 3 mois, je l'ai mis. C'est la nounou qui s'occupait de lui pendant la journée. Oui. Et moi, j'allais à la fac. Oui. J'avais repris mes études. Et donc du coup, c'est comme ça que je me suis organisée, tout simplement. Donc la journée, il était chez la nounou et vers 17h, 16h, donc l'après-midi, je le récupérais. D'accord. Et puis c'est tout. Mais donc c'est bien, tu as repris tes études. C'est sûr, en fait, c'est particulier parce qu'elle travaille, bien. Elle a besoin d'argent pour s'occuper de l'enfant, mais elle dit non, moi je repars à l'école. Oui, c'est particulier. C'est franchement, c'est honorable. Bien. Et à cet âge-là, à 22 ans, tout le monde ne pense pas comme ça. Il y en a qui pensent à seulement fumer la chicha. Il y en a qui pensent à se stabiliser. Non, tout ça, c'est un extrême, mais tout ça pour dire que c'est honorable. Non, c'est. Je pense réellement que pendant cette période, j'étais vraiment guidée par l'esprit. Amen. Parce que sinon, j'aurais pas pu faire ça. Parce que aux yeux des hommes, parce que même quand j'avais repris mes études, et même quand j'avais même repris le travail par la suite, parce que j'ai repris le travail un an plus tard, j'ai jonglé un peu entre tout, les gens me disaient, tu peux pas faire ça. Les gens te limitent. Ils me disaient, tu peux pas faire ça parce que c'est pas bien en tant que maman de travailler, de laisser l'enfant chez la nounou. Il faut que tu sois près de l'enfant. Je disais, mais attendez, je peux pas, je dois offrir quelque chose à mon enfant plus tard. C'est pas tout de suite en fait. C'est vrai que c'est un sacrifice, mais je vois mon enfant parce que je m'organisais. Par exemple, le week-end, j'étais près de mon enfant et il y avait des jours, même à la fac, en fait, il y avait des jours je prenais pour que je sois à la maison en fait. Donc, je pense réellement, comme je disais, c'était vraiment... Le Seigneur était là, c'est ça. Puis, en réalité, dans ce genre de cas, en fait, bah, les gens, en fait, ils vont souvent te refléter leurs limites à eux. Et leur peur aussi. Et leur peur, en réalité. Et ils oublient que chaque cas est différent. C'est-à-dire que tu puisses ta force en Christ. Eux, on ne sait pas où ils puissent leur force, mais tu sais, en fait, sur quoi tu te bases. Exactement. Et c'est l'avenir que tu veux pour ton fils. Donc, en réalité, souvent, les gens, ils vont donner leur avis, mais en réalité, c'est juste leur peur et leur limite qui se renvoient. Exactement. En réalité. En tout cas, c'est louable et honorable de voir que tu as repris tes études et en plus que tu étais seule et que tu avais aussi ton petit frère, faut pas oublier, à t'occuper. Comme quoi c'est possible. Quelle femme. Et au niveau des finances, que tu as su gérer aussi avec l'aide de Dieu, tu as compté sur l'aide de Dieu pour vraiment pourvoir aux besoins. Donc, c'est vraiment louable et honorable. Et toi, Chantal, comment tu as pu t'organiser justement après cette première grossesse? Parce que peut-être que toi aussi, quand tu étais jeune, tu as pu t'occuper des enfants ou c'était la découverte? Et comment tu t'es organisée? Alors, déjà, je reviens à un point que je n'ai pas abordé lors de l'accouchement. Parce qu'on va dire qu'on a parlé rapidement de ce point-là, parce que peut-être qu'il y a des femmes enceintes actuellement là qui nous regardent. Par rapport à la grossesse, c'est vrai que la grossesse, ça n'a pas été vraiment trop difficile. Oui. Mais moi, vraiment, ce qui m'a vraiment, on va dire, traumatisée, c'était après. En fait, c'était vraiment après parce que je n'étais pas prête, en fait, à ce niveau de fatigue-là. Et je n'étais pas prête non plus parce que l'accouchement ne s'est pas forcément passé... comme tu voulais. Exactement, voilà, comme je voulais. Et du coup, je peux en parler. Oui, pour les femmes, hein, voilà. C'est pas pour... faire peur ni quoi que ce soit, mais c'est tout simplement que vous allez vous renseigner. Mais lors de l'accouchement, en fait, j'ai eu une déchirure. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que après, quand on a recousu, en fait, normalement, le fil, il est résorbable. C'est-à-dire qu'il part tout seul. Oui. Sauf que moi, il n'est pas parti, en fait. Et du coup, en fait, je n'arrivais plus trop à marcher. Et c'était tellement, je m'y attendais tellement pas, en fait, par rapport à l'accouchement, que vraiment, mon bassin s'est un peu disloqué. Et j'avais extrêmement mal au bassin. Je ne pouvais ni m'asseoir parce que j'avais extrêmement mal, en fait. Je ne pouvais pas m'asseoir. Et je sais pas, j'essayais de comme je pouvais. Et je pense que, en fait, je ne pensais pas que ça allait être possible. Mais je pense qu'à à ce moment-là, j'ai même dû faire, en fait, ce qu'on appelle un baby blues. Oui. J'arrivais pas, en fait, j'avais tellement d'émotions qui se mélangeaient. Quand j'ai pris le bébé aussi, j'ai pleuré parce que j'étais en train de dire, mais est-ce que je vais t'aimer? Elle est trop émue, quoi. Elle parle. Ah là là.
C'est émouvant, hein. Ouais. Genre la grossesse. Ce mois-là. On attend. C'est très émouvant. Attends. Bientôt, dans 9 mois, on attend. Ouais, donc la maternité, c'est pas facile, hein. Quand on expérimente et que bah, les choses sont pas forcément passées comme je voulais, mais je me suis dit, mais. Est-ce que je vais l'aimer? Je pleurais, je le tenais dans les bras, je me dis, mais est-ce que je vais t'aimer? J'arrivais pas à m'habituer, en fait. Je me dis, mais c'est mon enfant. C'est bizarre, mais ce qu'elle dit, c'est ce que j'ai vécu aussi. Parfois, je posais la question à mes proches, est-ce que je l'aime suffisamment? Est-ce que je l'aime assez, en fait? Ouais. On se pose toujours cette question. Est-ce que je serai à la hauteur en tant que mère? Et souvent, on se dit, on regarde l'enfant, on dit, peut-être je t'aime pas assez. Ouais, parce que c'est surpris, en fait. Oui, c'est ça. T'as pas eu le temps de vraiment pendant la grossesse. De préparer. Ouais, c'est comme elle disait, en fait, tu fais comme un petit déni parce que c'est ça. Tu dis, bah, je suis enceinte, mais c'est comme ça. Bah, ok, ça arrivait, voilà, bah, ouais. C'est pas comme si tu t'étais préparée psychologiquement. Et tout vient et t'as plein d'émotions. Et il y a beaucoup d'émotions. Voilà, c'est ça. Voilà, ouais. Et tu dis, que les femmes, elles sont émotives. Ouais, voilà, c'est ça. Et je sais comment ça peut y aller, il y a aussi beaucoup d'hormones. Ah ouais, voilà, il y a beaucoup d'hormones. Il y a plein de choses qui se passent. Et du coup, je lui disais, mais est-ce que je vais t'aimer? Est-ce que, je sais pas, j'arrivais pas à comprendre. Mais c'est après, je pense, après 3-4 jours après, que là, tu t'habitues. Bah, tu t'habitues avec ce nouveau bébé qui est là. Il est là et au fur et à mesure, bah, tu vois qu'il te regarde, tu fais des petits trucs. Et puis au fur et à mesure, tu t'habitues. Tu t'habitues, au fur et à mesure, tu l'aimes, quoi. Et tu apprends à l'aimer. Ouais, tu t'apprends à l'aimer. Mais à développer des liens, parce qu'il faut savoir que quand on parle d'une grossesse surprise, et ça le titre, tu te prépares pas. Et du coup, alors que tu disais, bon, bah si, c'est quand et tu te dis que tu n'es pas prête aussi, voilà, t'es pas prête et t'as l'impression que t'as pas développé tout ce que tu devais développer pendant la grossesse pour se dire en fait que non, là je suis prête à être voilà, c'est ça. Et il y a aussi la peur du nouveau, l'inconnu. Comment ça se passe quand je vais accoucher? Comment ça se passe? C'est ça. Et en plus, quand ça c'est pas forcément comme tu l'attends. Ben moi, mon après grossesse, j'ai vraiment c'était difficile, c'était très difficile. Et après, ben l'organisation, elle vient au fur et à mesure. Tu vas faire des erreurs et des fois tu vas pas réussir, mais avec des conseils. Il faut savoir que en France, on a des PMI, on a franchement les femmes enceintes et qui accouchent sont accompagnées en France. On est vraiment accompagné. Tu peux aller voir, même si tu n'as pas de famille, il y a des PMI, il y a plein d'associations, il y a plein de structures qui sont là pour t'aider. Vraiment, donc vraiment même, bien. Même pour les courses, hein, quand tu. Parce que moi, je sais qu'à un moment donné, il y a des aides. La CAF aussi te verse des aides, la prime à la naissance. En France, en tout cas, tu as des aides tous les mois. Même pour la garde des enfants. Même pour la garde des enfants. Justement, moi, j'en ai eu, en fait, pour la garde d'enfants. J'avais des choix d'activité. J'ai eu ça pendant plusieurs années, en fait. Et ça aide. Et les 3 premières années de l'enfant, il y a la page. Oui, c'est ça. La page. On te verse une allocation tous les mois jusqu'aux 3 ans de l'enfant. Et il y a aussi l'ALF, aussi l'allocation concernant l'ALF, en tout cas par rapport aux revenus, en tout cas quand on a des enfants. Mais c'est vrai que ça, c'est plutôt quand on a à partir de 2 enfants, quand on touche les allocations familiales. Mais il y a même d'autres. En fait, il y a plein d'aides en France, et ça il faut le dire parce que souvent les femmes elles se disent, ah non, je peux pas faire un enfant parce que j'ai pas les finances. Bon, c'est vrai que moi je travaillais au début, mais après je me suis arrêtée quand j'ai eu l'enfant. Il y a plein d'aides, mais énormément d'aides. Il y a des structures, et il faut pas avoir honte sociale, il faut pas avoir honte aussi, c'est ton droit. Et c'est pas, en fait il faut pas se limiter, parce que je pense que les femmes elles se limitent beaucoup. Elles se disent que non, je peux pas être enceinte parce que j'ai pas les finances pour, et je peux pas l'élever, je peux pas lui offrir tout. Si tu peux. La preuve, en fait, moi il y a plein de choses que le Seigneur mettait vraiment à disposition où je m'attendais, je disais, ah oui, ça existe ça. Oui, ça existe. Et puis même les sœurs, les frères, les personnes qui t'entourent, ils vont toujours te soutenir naturellement, en fait. Ils vont venir vers toi. Aidée. Avec les plats, il y avait à l'enfant de la grossesse, c'était difficile. Et même la baby shower, Et en plus, du coup, c'est ça qui est bien l'avantage aussi. Enfin, en tout cas, quand tu es dans une bonne famille spirituelle, vraiment, des frères et sœurs qui sont aimants, bah, qui t'aident. Je sais qu'à la baby shower, j'ai reçu plein de choses. Je sais que même à la fin de la grossesse, quand j'étais fatiguée, les mamans se relayaient, faisaient un planning, elles se relayaient pour préparer à manger. Du coup, tous les dimanches, quand je suis à la maison,
j'étais vraiment sur la faim. Mon mari ramenait tout simplement les plats. En plus, qu'est-ce que je me régale. Ça, je vais manger. Seigneur, je suis bénie. Ah, je suis. Non, mais je dis, je bénisse le Seigneur pour les frères et sœurs en Christ parce que c'est aussi une famille. C'est une famille. Exactement. Mais franchement, il y a, j'aimerais dire, même sans le Seigneur, pour les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, on a beaucoup d'aide en France. Moi, je sais qu'à un moment donné, quand on est dans une situation un peu compliquée parce que mon mari avait perdu son boulot et du coup, le temps qu'il en retrouve un autre, il y avait une association où toutes les semaines, tu y allais, te donnait du lait, des couches, ils te donnaient tout. Exactement. J'avais rien à acheter. Il y a même des associations qui te donnent des poussettes qui ont une deuxième main, mais t'as tout, vraiment, tout. Et merci Seigneur pour être dans... parce qu'on est en France, parce que c'est pas pareil. Et surtout, en plus, avec l'aide du Seigneur, avec le soutien, on a tout pour pouvoir vraiment... On a tout. En tout cas, c'est... Donc ça vient ensemble. C'est bien, en tout cas, de pouvoir compter sur le Seigneur, par rapport à ça, par rapport à cette situation-là. Et c'est pas grave si on fait des erreurs. C'est pas grave, faut le dire. Moi, j'ai fait des erreurs, mais c'est pas grave. On apprend pas à être super maman, à être organisée. Moi, c'est venu avec le temps. Fais des erreurs, après tu vois que non, là tu peux pas faire ça, là tu t'occupes du bébé. En même temps, il y a ces projets qui arrivent. Maintenant, là, il faut que tu doses, il faut que tu attendes un peu. Contrairement à Merveille, du coup, j'avais aussi, moi j'étais mariée, du coup, mon mari pouvait m'aider aussi. Il y a des points sur lesquels on était à la maison, on pouvait se relayer, etc. Mais c'est pour dire que même en tant que maman, elle a réussi. Donc, même en tant que maman célibataire, elle a réussi, comme quoi le Seigneur est notre soutien. Il faut vraiment compter sur lui, c'est la première source, c'est lui. Wow. Ben oui, en tout cas, c'est bien. En tout cas, gloire à Dieu pour ce témoignage, en tout cas, qui, je crois, va bénir beaucoup de femmes. Hein, en tout cas, peut-être certaines femmes qui seront dans le même cas. En tout cas, on vous conseille, on vous encourage, vraiment, vous qui avez fait ce choix de la vie, on vous encourage vraiment à continuer à compter sur le Seigneur pour qu'il puisse vous aider pendant tout le parcours de l'enfant, dans l'éducation de l'enfant, dans son instruction, d'accord ? Et même si l'enfant est venu de manière surprise, son père, même s'il n'a pas un père naturel qui est là, Dieu est là. Dieu est là et Dieu est notre soutien. Exactement. Et Dieu est notre rocher sur lequel on peut s'appuyer et qui peut pourvoir à tous nos besoins. Amen. Et donc, c'est important de se dire non, votre vie n'est pas finie parce que vous avez cet enfant avec vous. Non, votre vie n'est pas finie, d'accord ? Elle continue avec l'enfant et je vous assure qu'il y a des personnes en fait qui ont fait ce choix de garder les enfants et en fait ces enfants-là sont devenus des personnes très connues dans le monde et ils ont fait la joie de leurs parents, de leur mère. Amen. Pour vous dire que Dieu a des plans merveilleux pour ses enfants et Dieu les a entre ses mains et Dieu veut qu'ils puissent grandir dans les voies du Seigneur. Amen. Alors nous vous encourageons en tout cas à vous abonner à la chaîne Évangile TV, d'accord ? Vous pouvez, à la fin de cette émission, mettre un commentaire, mettre aussi un like, d'accord ? Si vous avez aimé, justement, notre émission. Et nous vous disons à une autre émission. À ciao, bye bye.